Quelques chiffres sur le groupe Webhelp. Webhelp, en 2020, c'est 60 000 collaborateurs. C'est 20 ans d'existence. Et c'est un footprint sur 40 pays. Donc on délivre des opérations aujourd'hui avec une dimension internationale sur 40 pays. Et on délivre la majeure partie de nos opérations, les plus grandes opérations, depuis le Maroc. Webhelp, d'ailleurs, a démarré sa forte croissance il y a 18 ans maintenant depuis le Maroc. Et donc, il a des racines fortes sur le territoire marocain. Et donc, Webhelp Maroc, c'est aujourd'hui 10 000 collaborateurs répartis principalement sur trois grandes régions. D'ailleurs, l'aventure a démarré sur la région de Rabat, Kélitra, Salé. C'est poursuivi ensuite sur la région de Fès, Meknès, et a continué son ascension sur la région de Sousmassa, donc où nous avons trois très jolis sites dans la ville d'Agadir. Plus récemment, nous avons investi de manière très, très importante sur l'année 2020 et nous avons réussi à maintenir notre cap malgré la crise Covid qui a frappé notre secteur et beaucoup d'autres. Nous avons maintenu le cap d'ouverture de la région de Marrakech. Marrakech qui, pour nous, aujourd'hui, entre directement dans une nouvelle stratégie, dans un nouvel ère pour Webhelp Maroc, car nous allons pouvoir délivrer depuis Marrakech toutes les opérations en multilingue. Et donc, on a inscrit la région de Marrakech dans la cartographie du groupe Webhelp comme étant une région de croissance à deux chiffres, une croissance assez forte. Nous délivrons depuis le Maroc, bien évidemment, le marché français avec des grands donneurs d'ordre. Mais nous développons de plus en plus des clients globaux, des clients internationaux avec des demandes beaucoup plus importantes et une exigence beaucoup plus forte sur des marchés non plus français, mais des marchés américains, voire asiatiques. Et nous avons pris également la décision sur 2020 et à partir du deuxième semestre de 2020 d'accentuer notre apport de valeur pour les grandes marques marocaines également, que nous allons adresser de plus en plus, avec une valeur ajoutée qui est différenciée, notamment sur la partie CRM et BPO, mais également sur la partie consulting. Donc nous accompagnerons nos clients marocains qui souhaitent aujourd'hui externaliser leurs prestations de services, que ce soit en termes de BPO, en termes de CRM. Quid de l'Afrique? L'Afrique aujourd'hui rentre parfaitement dans la stratégie du groupe Webhelp. Nous avons aujourd'hui un footprint sur 6 pays avec 18 000 collaborateurs, une croissance assez forte également. Et nous allons investir encore une fois de plus en plus sur les 5 années à venir. Avec des estimations et en tout cas une ambition affichée de manière très forte pour arriver à 28 000 collaborateurs, donc une croissance de 10 000 collaborateurs en 5 ans, avec là encore une fois une offre différenciée sur les métiers du CRM, du BPO, et voire surtout toutes les activités qui peuvent être sous-traitées de la part de nos grands donneurs d'ordre. Alors, la relation client et les processus externalisés ou outsourcés sont aujourd'hui des enjeux majeurs et cruciaux pour nos clients. Cruciaux et majeurs, car nous venons de traverser une période sans précédent, une crise Covid, qui a révélé beaucoup de choses et qui a pu aujourd'hui mettre en lumière beaucoup de nouvelles manières de travailler. Je pense à la digitalisation qui s'est faite de manière naturelle et de plus en plus du fait du confinement. Je pense également à la démultiplication de l'information et des canaux de contact. Donc toutes les entreprises ont dû se transformer, en tout cas accélérer très vite les chantiers de transformation qu'ils avaient. Et l'une des réponses à cela aujourd'hui, après que la période de Covid
soit passée, même si elle n'est pas tout à fait derrière nous, des chantiers de réflexion sur du consulting sont aujourd'hui à l'œuvre pour la plupart de nos clients, et l'externalisation vient aujourd'hui comme une réponse à ces problématiques. Nous accompagnons aujourd'hui la plupart de nos clients dans ces réflexions de transformation, car nous avons une expertise, nous avons aujourd'hui un capital et une maturité très forte. Nous avons des processus d'industrialisation très prononcés, que ce soit sur le marché marocain, africain, européen et à l'échelle internationale. Et nous utilisons bien évidemment énormément de palettes, d'outils pour pouvoir délivrer cette valeur ajoutée premium que nous avons pour nos clients. L'un des outils, c'est la technologie, que ce soit l'intelligence artificielle, les chatbots, la data analytics ou encore l'automatisation de processus. Sont aujourd'hui des moyens, des outils qui nous permettent de prendre de l'avance et d'avoir cette maturité et cette assise dans notre secteur d'activité. Alors, la technologie est un très bon levier, mais nous souhaitons et nous avons la conviction en tout cas très forte qu'il faut l'associer à l'intelligence émotionnelle, à l'humain. On ne remplacera pas aujourd'hui tous nos collaborateurs, les forces vives, nos ressources humaines qui apportent aujourd'hui ce recul et je dirais ce conseil très, très précieux à la plupart de nos clients. Et donc c'est cette conviction aujourd'hui que nous avons, qui est d'ailleurs la mission de notre entreprise, hein. Making business more human, c'est aujourd'hui la croyance que nous avons pour accompagner le business de nos clients en mettant l'humain au devant de la scène.